Et salut à tous, et on se retrouve pour la suite. La suite de Starship Trooper Terran Commander. C'est la mission 4, si je me trompe pas, faudra qu'à un moment donné je revienne sur le menu d'accueil pour voir si c'est indiqué. Je pense que dans le menu d'accueil il y a une section scénario, et je pense que les scénarios c'est refaire simplement les missions de la campagne, je pense. Nous avons aussi deux missions défi dans le jeu. Je sais que beaucoup de gens voudraient faire des escarmouches, c'est-à-dire voudraient jouer, mais je vois pas trop comment trouver Thomas Reed. Très bien. Je vois pas trop comment ça serait possible de faire des escarmouches dans ce jeu-là. Je vais être honnête avec vous. Mais attendez, je peux passer par là? Non, je peux pas. Je vois pas comment ça serait possible, parce qu'une escarmouche, bah, tu peux faire une escarmouche sur Age of Empires. Parce que t'as plusieurs nations. Pareil sur Total War Warhammer, même si c'est Total War Warhammer et genre Civilization, ce sont pas des RTS. Mais il y a moyen de faire des escarmouches. Là, ici, je vois pas trop comment ça serait possible de faire des escarmouches, étant donné que tu n'as que deux camps. Pour faire une escarmouche, il faudrait plus que deux camps, sinon c'est pas très intéressant. Donc je vois pas comment ça serait possible de faire des escarmouches. Je sais pas si dans le jeu il y a moyen de jouer les parasites. Ça par contre, ça pourrait être intéressant de faire une campagne parasite. Voilà. Ou après, si je fais une campagne parasite, je ne sais pas. Oula, mais il y en a derrière. Vous venez d'où? Vous êtes... Progress report. Vous êtes venu d'où? Ils ont popé? Parce que je vois pas de mine. Par contre, si jamais ils nous font une campagne parasite, c'est qui prend la place du gars qui va parler là? Ça va être genre le cerveau qui va nous faire. Ça va être bizarre aussi de voir comment ils vont mettre ça en œuvre pour le tutoriel des Arachnites, parce que ça va pas être un gars qui va parler, ça c'est sûr. Examiner la ville, d'accord. Bah, j'imagine qu'en bas ici il y a rien, donc on va aller là. Alors par contre, le truc Reed et tout ça. Oula, attendez. Ah, des fugitifs. Non, mais ils sont bien situés, par contre, ils vont me faire mal. Oui, ils m'ont fait très mal. Hein. Ah, mais j'ai peut-être moyen de... Par contre, ça, c'est... Il n'y avait pas dans le premier film le... Comment? J'ai envoyé les petits tout nus ici. J'imagine qu'il faut juste que je sois à côté de lui pour le capturer. Voilà. Il n'y avait pas ça dans Starship Trooper 1, le fait de devoir aller, de se battre contre des êtres humains qui se rebellent ou je sais pas trop quoi. Juste en temps. Délivre-le à la prison avant que le broadcast commence. D'accord. Mais du coup, lui, il sert à rien, quoi. C'est juste... Et j'ai déjà mal, hein. J'ai déjà très mal. Est-ce que je peux, genre, me healer, ici? Non, j'ai rien pour me healer pour l'instant. Ils m'ont fait mal, ils m'ont fait très très mal. Ah. On va essayer de ne pas perdre de points de vie sur les arachnides, ça serait un peu malheureux. Je sais que je peux me buffer avec le sergent ici, mais... Pour l'instant, ça va. Ouais, je disais, s'ils font une campagne arachnide, je sais pas comment ils vont mettre ça en place. Il y est peut-être déjà, je ne sais pas. Hein. Là, j'en en ai au début, donc... je fais juste suivre la route. Il n'y a rien qui va arriver à droite. On va supputer que non. Ah non, je suis rendu. Ah, et je crois que j'ai échoué. Voilà, premier échec. Oh, mais oui, mais... on va charger. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok. Est-ce que j'ai eu une sauvegarde? Ouais, j'ai eu une sauvegarde auto.
C'est comme ça que ça fonctionne les sauvegardes automatiques. Heureusement, il y en a beaucoup des sauvegardes automatiques. Ça va empêcher de. Ça va empêcher de frustrer un peu trop. Puis surtout, étant donné que, bon, ben là, on va savoir que, par exemple, là, je sais qu'il y a des arachnides juste ici. Donc, ouais, ça va faciliter quand même grandement la deuxième tentative, étant donné que tu vas directement savoir où sont les ennemis. Donc ça c'est une bonne chose qu'ils aient mis des sauvegardes automatiques. Oula! Oui, surtout pour quelqu'un comme moi qui fait attention à rien. C'est une bonne chose qu'ils en aient mis quand même partout. Parce que c'est vrai que recommencer des passages de 20 minutes, ça serait peut-être un peu long. Donc là par exemple, je sais que ça va popper à droite à gauche, je sais qu'il faut que je fasse attention avec ce débilos. Ah d'accord, parce qu'en plus, lui, si je commande l'attaque, il va attaquer quoi. Ouais, évidemment. Il attaque avec ses petits poings. Ok, là c'est bon. Oui, et apparemment, ben, je sais pas. J'avais un truc à toucher ici. Non, c'est une mine, c'est quoi ça? Le point 1 là. Je t'avoue, j'ai pas compris. Ok, ben, c'est fait, il est escorté. The prison guards will take custody of Reese. Not too much time left. They'll have to rush him through hair and makeup. Ah, c'est bien, j'ai déjà perdu beaucoup d'hommes. Hein. Ah d'accord, oui, c'est lui qui doit se faire exécuter. Ah, ok, j'avais même pas fait le rapport. Le film, il avait commis un meurtre, je pense. J'en sais pas plus. Ok, troopers, we're prison guards for now. Ok, ça va arriver de où? De là, j'imagine. Proximity sensors lighting up. More bugs on the way. Je vais faire des unités en plus. Oh, attendez. Et vite, vite, vite. Défense du mur, mais défendez-le, mettez-vous correctement. Alors, on va se mettre ici. Je sais pas s'ils vont vraiment attaquer ici aussi. J'imagine que oui. Pas si c'est très intelligent de m'être situé comme ça. Je sais pas si c'est très. On va les mettre là. Non, attendez. Vous, je vais vous bouger. Je vais vous mettre ici. Voilà. Allez, hop, dépêchez-vous. Non, il fallait des unités là, je crois. Non, ça va. Ça a l'air de tenir. Prennent pas de dégâts pour l'instant. Prennent des niveaux. Ah, lui est en suspense. Soutien de guerre de. D'accord, mais je peux toujours rien faire. Ah, je peux peut-être. Ah, cinématique, je peux rien faire. Mais pourquoi vous avez largué ça là? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous avez largué ça ici? C'est qui pilote le vaisseau là? C'est Gilbert Montagnier? Pourquoi vous l'avez mis là? Pourquoi vous l'avez pas mis dans le. Ah bah oui, mais non, mais je vais me faire ouvrir. Tinkerbug. Oh non. Non, 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 revenez, revenez, revenez. Je peux pas envoyer les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué? Kill him. Kill him all.
Qu'est-ce qui se passe? Il est bugué? Mais il a l'air bugué. Je pense qu'il a des petits problèmes de... Je sais pas ce qu'il fait. Ok, je pense qu'il était bugué. Totalement bugué. Je vais faire des snipers. Standing by. Sir, Intel reports a new bug threat. We're taking bugs around. We're going to need an extra punch. We'll have to get a rocket depot up and running. Ah, il aurait fallu me le dire avant. Décide le palier de combat 2. Ouais, faut que j'aille chercher des caisses de provisions. Mais je vais pas envoyer juste mes technos ici là. Attendez. Je suis sûr que vous, je peux vous soigner déjà. Bug attack wave on its way. Get your teams ready. Oh, attendez, dépêchez-vous. J'ai une minute pour aller les chercher, je vais aller les chercher vite fait. Non, toi tu restes ici. Oula, non, non, non. Je me fais avoir là. Capturer ça et ensuite on revient en arrière. Sir, additional supplies are now available. Ouais. Je pense que je peux faire les trucs de roquette. Non, je peux toujours pas le faire. Palier de combat 2. Troopers, listen up. On the move. Standing by. Je vais en mettre 2 en haut. Je vais mettre cette unité là aussi. Notre unité là. Bug attack inbound. Non mais je veux bien, mais palier 2 de combat. Je l'ai pris à lui. Je vais faire celui-là, ça va peut-être... Je comprends pas pour le palier 2. Je peux faire ça par exemple. Il nécessite dépôt de roquettes. Attendez, il est où le dépôt de roquettes? Ça, c'est une ruche. Ça lui a fait mal, mais là je peux plus rien faire. Ah là là. Aïe 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 aïe, ça pique. Non, barrez-vous. Ouh là là là, ça a piqué. Mais je comprends pas, le dépôt de roquettes, je peux pas le faire. Those bug caves just keep brewing up trouble. We got to get out there and shut some of them down. Ok, donc là tu veux que je fonce vers eux, ça j'ai bien compris. Par contre, le dépôt de roquettes, je sais pas. Ça nécessite dépôt de roquettes, mais je sais pas où il est le dépôt de roquettes. Faut que je le fasse. Mais nécessite le palier 2. Donc ça, je ne sais pas comment on l'a. Ok, vous ne servez à rien. Ah ouais, t'es carrément en train de crever, toi. Ok, bon, on va faire venir tout le monde. Parce que j'ai crafté tout, moi. Je sais pas, le dépôt de roquettes... Ah bah si, mais c'est palier 2. De provision. Ah oui, il est ici, le palier 2, il avance. Attendez. On l'a presque là. On va attendre un peu. We've advanced to the next battle tier. Ok, ça c'est fait. Donc on fait une unité de lance-roquette et on va avancer vers les nids parce que j'imagine qu'on va croiser des... D'accord, il y a une ruche là. Je vais envoyer... Oh merde. Oh, putain, il faut que je les sélectionne tous les uns après les autres.
Ok, unité qui a été touchée ici, on va la soigner. Je vais prendre... Attendez, comment je sélectionne comme ça? Ok, vous quatre, vous venez ici. On va aller atomiser la ruche qui est là. Je pense que j'aurais pas besoin de vous mettre là. Oula, attendez. Faut vraiment surveiller. Ça va, j'ai pas trop perdu. J'espère qu'une unité de lance-roquettes, ça va suffire. Aïe, j'ai un projecteur ici que j'aurais dû utiliser. Ah, faudrait que j'avance un peu parce que là je vais rien voir. C'est bon, allez, on avance. Ouais, c'est ça. C'est parce que je suis en contrebas donc je vois rien. Je veux juste me mettre là pour voir. Là, allez, c'est bon. Là, on va arroser. Et là, je pense que bah, je peux peut-être fermer la porte aussi. Bug attack wave on its way. Get your teams ready. Ouais, mais j'aimerais bien. Voilà. Donc on va les ramener. 1 minute 20, ça va, j'ai le temps. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez arrêté? Ah, c'est parce que la porte est fermée. La porte est fermée, donc ils peuvent pas passer. Je vais les mettre ici, sauf la roquette. Ok, je vais la mettre ici. Ok, la ruche ici, elle est condamnée. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait des choses qui sortaient. Ok, la ruche là est condamnée. Ok, c'est des petites vagues, c'est vraiment comme des Herbillion. C'est vraiment des petites vagues, par contre c'est vrai que j'aimerais bien... Je vais voir si je peux envoyer eux sur le projecteur. Tant pis s'ils meurent, c'est pas très grave. Les roquettes, je vais mettre là. Une unité que je vais déplacer là. Deux unités ici. Qu'est-ce que je peux créer encore ici? Ben, je peux rien créer parce que j'ai tout mis. Ouais, je sais que ça, c'est pour les destroyers là. Alors je vais voir si je peux me dépêcher d'aller chercher les deux. Il me reste 20 secondes. Je suis pas sûr que je vais avoir celui-là. Ça va être tendu. C'est pas grave si je la sacrifie cette unité. Je vais mettre là aussi cette unité. Ouh, ça va être très tendu. Ça peut le faire pareil. C'est bon. On va se barrer. Ah mais j'ai pas vu, ils sont en contre... Oh là, ils vont crever. Oh là, la grenade était belle. Ok, eux je pense que c'est fini. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Ah, quoique, c'est un goulot d'étranglement, donc ils vont pouvoir faire beaucoup de dégâts. Je ferme la porte. Ils vont peut-être... Je sais pas. Je sais pas s'ils vont pas s'en sortir. Ils sont dans un goulot d'étranglement, donc... Attendez. Ah, je peux pas, je suis trop... Ah non! Eh blé, il est... Ok, c'est pas grave. On va reprendre... Je vais prendre... Les snipers, ça servirait pas à grand-chose. On va reprendre une unité comme ça. Oh là, alors là, par contre, il faut que les roquettes tirent là-dessus. Mais ils tirent à côté. Non, faut que tu tires sur lui. Oh, c'est bon, les roquettes font énormément de dégâts. Mais pas que les roquettes, hein. Je pense qu'en tir croisé et régulier, ils font beaucoup de dégâts. En plus, je pense que le destroyer, il vise juste la porte. Ok. Éliminer les cuirassiers. Déployer deux escouades d'unités lance-roquettes. Ok, j'en ai deux à déployer. L'opérateur radio qui a pris quand même beaucoup de dégâts. On va l'enlever. Ah, c'est un objectif secondaire. Attendez, nettoyer les ruches. Ah, mais non, j'ai pas besoin de... J'avais pas besoin de le faire, ça. C'était optionnel. Je pense qu'une troupe, ça peut suffire. Ok. Ok, on prend tout le monde et on avance.
Et on va les nettoyer la dernière rue. J'aurais peut-être laissé juste eux au cas où il y en a peut-être qui passent dans mon dos. Ouais. Parfait. De toute façon, avec les projecteurs, normalement, je les vois. J'aurais peut-être dû prendre des snipers. Non, c'est pas nécessaire les snipers puisque j'ai pas de crasher dans ce. C'est quoi ça? Ah, mais bon, ok, d'accord, c'est resté là. Très bien. Là, je peux pas passer, donc on va avancer par là. Non, mais je pense que j'aurais carrément pu prendre tout le monde. Je suis pas sûr qu'une roquette pour le petit arachnide, là, c'était nécessaire. Là, par contre, c'est nécessaire. Oula, faut pas rester dans le feu. Faut pas rester dans le feu, les gars. Faut... Trop tard. Ouais, attendez. Trop tard. Bah, évidemment, comme c'est un RTS, là, si je suis pas rapide sur les touches, ça me charme. Est-ce que ça va passer? Je pense que oui. Je pense que ça va pas passer. Par contre, attends. Oula, ça va peut-être pas passer. Parce que j'ai encore toutes mes. Mais je l'ai pas touché. Oula, j'ai du mal à. Là, ça va être compliqué. Je sais pas si ça va le faire. Je vais envoyer eux. Ah oh, non, je sais vraiment pas si ça va le faire. Eux vont crever. Non, ça le fera pas. Ça ne le fera pas. On va envoyer tout le reste ici, je pense. On va les réunir. On va faire une deuxième attaque parce que là, je pense que ça passera pas. Je me suis fait surprendre par les cuirassés. C'est bizarre que ça passe. Quoique, ils arrivent plus à me toucher là, donc. Oh non, c'est parti. Non, c'est ça. Ouh là là là, non, ça ne passera pas du tout. Très bien. Je vais. C'est fini, hein. Non, ils sont encore vivants. La vache. We've got a unit under attack. Ok, on va y aller comme ça. Ah non, la porte est verrouillée. Allez, on avance. Tous. Je prends juste une unité de roquette. Je pense que ça va être suffisant. Peut-être un officier aussi, tiens. J'étais un peu trop téméraire sur cette attaque-là. Hop. Il peut pas aller plus vite, c'est pas grave. Je sais pas si les cuirassés, c'est genre... Est-ce qu'il y a genre un nombre restreint de cuirassés? Genre ils en envoient 3 ou 4 et ensuite c'est fini, il n'y a plus. Ou alors est-ce qu'ils peuvent popper de manière aléatoire dans les ruches? Prends deux unités ici, par là. Ça devrait le faire. Si ces deux-là survivent, normalement, ceux-là devra avoir assez facile à passer. On va les faire avancer un peu, je pense. Eux, ils vont juste les tenir. En fait, je vais les faire se mettre comme ça pour tirer sur la galerie derrière. Non, pas trop près. Ah, ça veut dire que j'ai été trop long? Allez, ok.
Non, je pense que 1 minute 20, j'aurai le temps de. Ok, donc ils popent à l'infini quand même les vagues. Et je pense que en fait, les tankers, ils viennent des vagues, ils viennent pas des ruches. Our war support has increased, sir. C'est fini? Ah non, d'accord, je vais avoir une dernière. Une dernière attaque? On va les se remettre à la base, hein, j'imagine. Ouais, on va les se remettre à la base. On va revenir à la base. J'ai du mal quand même à les situer. On va mettre un lance-roquette là. Puis je vais mettre deux unités ici. Ah, j'essaie de les mettre tous les deux en l'air. En l'air. Ensuite, il me reste ça. Très bien. Je vais mettre là. Et puis, je sais pas, je vais en mettre deux ici. On va voir si c'est très utile. Je pense que je sais pourquoi le destroyer a bugué tout à l'heure. C'est parce que la porte était ouverte. Je pense qu'il est codé pour attaquer en fait la porte. Mais vu que je l'avais ouvert, bah, il n'a pas compris. Il n'avait plus de cible. Tout simplement. Je vais peut-être mettre une autre unité ici. Puis on va fermer la porte. Cette tourelle, par contre, elle est peut-être. Elle est loin, enfin je veux dire, elle sert à quelque chose. Puis là, ici, ils attaquent pas, hein, on est d'accord. Ok, donc là, il faut juste survivre. Petite roquette aussi, ici. Je peux envoyer une petite roquette, ouais. J'aurais peut-être dû attendre qu'ils soient un peu plus compacts pour balancer la roquette. J'espère qu'ils sont moins de ce côté-ci. Ouais, les grenades de l'infanterie, ça fait pas non plus des dégâts. Oh, c'est pas la peine. Ça fait pas des dégâts monumentaux. Ouh la merde. Ah, j'ai mal utilisé, mais. Ah, mais ils attaquent pas. Pourquoi ils attaquent pas? Ah, ok, ouais, il faut vraiment les roquettes pour les cuirassés, sinon c'est la mort. Faudra vraiment penser à faire des roquettes presque à toutes les missions. En fait, à toutes les missions, il va y avoir des cuirassés. Utiliser projecteurs pour les attaques en approche. Qu'est-ce que... Got an alert for prison security. Inmates broke out of their cells during the attack. It's a full-scale revolt. Ah bon? Great. Now we got hostiles on both sides of the wall. How should we respond? You're authorized to use lethal force. Ben j'espère bien. Ok, mais j'ai plus besoin de laisser des unités là. Et je n'ai plus la possibilité de créer des troupes. Donc en gros, maintenant je fais une autre mission à l'intérieur. Donc je vais aller zigouiller des êtres humains. Très bien. Donc j'ai quoi? J'ai deux unités d'infanterie et une unité, pardon, de. C'est quoi déjà des ingénieurs de combat? C'est-à-dire que je pourrais mettre des tourelles à un moment donné. Ah, ici. We've got a unit under attack. Est-ce qu'il y a moyen de faire des dégâts, je veux dire. Il est mort lui. Mais c'est galère quand même. Ils sont plus costauds que les arachnides. J'ai perdu une unité d'ingénieur de combat, je pense. Qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, ils sont restés derrière. J'ai Mais la vache. Wow, mais c'est ils ont mis de la résistance sur les humains, beaucoup plus que sur les arachnides. Non mais là par contre je comprends pas. Bah attendez, ils sont à main nue. J'aimerais bien que mes unités de. C'est bizarre, ils se mettent derrière là.
Ouais, mais peut-être que avant de descendre. Oui, mais. Il se bug un peu, on dirait, dans cette mission. Je sais pas si c'est parce que les couloirs sont un peu trop petits. Oh, c'était peut-être pas par là que je devais aller. Ou je crois que j'ai fait une connerie. Non, non, non. Repli, repli. Aïe, 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 j'aurais pas dû aller là-bas. Ouais, ils sont buggés, regardez, ils sont buggés. Enfin, ils sont buggés, ils ont du mal dans les couloirs. Ouais, mais là, la mission, elle est finie, là. J'ai perdu trop de troupes. En fait, j'aurais dû passer par là. Non, là, ils vont me tirer dessus aussi. Mais je peux pas faire grand-chose, là. Je crois que ça va être un échec. Je sais pas. Ah ouais, non, je peux rien faire. Comment je fais pour passer les tourelles? Ah ouais, non, c'est fini. C'est totalement terminé, c'est totalement mort. Ben, orders, la moelleté. La moelleté, là, y a rien à faire là. Là, je peux plus rien faire. En plus, là, la porte est fermée, donc je vois pas trop où je vais. Non, j'ai pas de. Je vois pas. Ah non, et en plus, non, mais c'est. Ouais, mais je vois pas trop les tourelles là. Comment je suis censé atteindre les tourelles parce qu'ils me font trop mal. Ok, échec. Attendez. Je vais charger la dernière, mais j'espère que la dernière charge, c'est pas genre. Bah non, ça doit être au tout. Ok, on prend ici. Non, 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 n'allez pas par là. Mais en même temps, allez où? Parce que si je vais là, je meurs. Je dois foncer vers le truc, mais je vais me faire zigouiller. Attendez, je vais faire une tentative. Non, non, non. Je vais passer par là, je vais monter ici. Attendez, stop, stop, j'ai peut-être une idée. Mais redescends, redescends. Là, je comprends pas trop. Allez, vous allez la voir? Qu'est-ce que vous foutez, sérieux? Allez, hop. Je vais voir si je peux pas. Non, 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 redescends. Ok, c'est ça qu'il fallait faire, c'était. Enfin, je pense que c'était ça. Mais. Voilà, et encore une fois, là, je comprends pas trop. Ils sont. On dirait vraiment qu'ils sont buggés, en fait, les unités de. Bah, déjà, je l'aime pas si en plus elle bug. C'est pas facile, hein, les missions. Les missions comme ça dans des espaces restreints, là, je suis pas sûr que ça s'apparente vraiment au jeu. Ok, ça me permet de récupérer une unité. Mais attendez, là j'aurais pu me healer. Non, je peux pas me healer, ça sert à rien. Non, 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 stop. Stop, arrêtez de dissident. On va aller là. Ok, donc on a une visibilité en fait en faisant ça, si je comprends bien. Et ça va me donner quoi? Je pense que ça dégage la visibilité. Ça m'a redonné la vie. Complètement. Ok. Je vais sauvegarder parce que je sais pas si ça l'a fait, mais moi je trouve que je suis bien pour l'instant. Come
C'est liquider vite fait le... Voilà, je vais dégommer ça. Voilà, puis on va se tirer. Je suis totalement en contrebas, donc c'est pas bon. La porte ici est fermée. Je sais pas si par où est-ce que je suis censé passer pour l'ouvrir. Je sais qu'il y a une unité ici quelque part. Ouais, vous voyez là, je les demande de tirer, mais ils sont tellement mal mis. Regardez, ils font pas de dégâts là, je sais pas. Là, c'est un peu buggy là, je trouve. S'ils sont pas bien mis, en fait, ils feront pas de dégâts. Ils sont vraiment du mal. Oh là là, mais où ils tirent? Parce que c'est pas possible que ça soit l'ennemi qui ait autant de points de vie là. Regardez, ils vont pas au contact de l'ennemi en fait, les lance-flammes. Je trouve que c'est un peu buggé là. Ouais, là il y avait sûrement moyen de faire autrement. Voilà, par contre les lance-flammes font tellement de dégâts. It's over. The prison is pacified. Bah, la prison a été pacifiée, c'est quoi ça, offensive en approche? Où ça? Ah, attendez. Non, mais je récupère mes troupes. Wave on its way. Get your teams ready. Mettez-vous bien, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai pas utilisé. Bon, alors eux, je les laisse là. Hein. Ouais, non, mais ils ont dit. C'est bon, je les laisse là. Est-ce que je peux... Allez, une autre comme ça, ça. J'ai mis un peu de temps avant de les faire popper. J'espère que ça va pas être préjudiciable. Je vais mettre une lance-roquette ici. Parce que je sens un peu venir la merde. Et une autre unité d'assaut. Faudrait que je buff mes troupes ici quand ça va arriver. Mais ça dure pas si longtemps que ça. Donc on va peut-être attendre. Enfin, le buff ne dure pas longtemps. On va attendre qu'il y ait le gros des troupes qui arrivent. Ok, là. Là, on peut peut-être y aller. Là, c'est buffé. On va voir si ça fait des gros dégâts. Je vais pas utiliser mes grenades tout de suite parce que... Bon, quoique ici, ce serait peut-être pas con d'en utiliser une. Ok, et là, hop. Full sous l'espèce de cuirassé. Même toi, ici. Je peux les avoir, ouais. Mais oh, ça a pas fait de dégâts. Hein. Allô, 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 allô. Tire là-dessus. Ils ont un peu de mal, je trouve, les lance-roquettes. Là, non, c'est bon. J'ai pas eu l'impression que la ogive hautement explosive là a fait beaucoup de dégâts. Ça pique. J'ai plus qu'une unité ici. Attendez, attendez. Un opérateur radio aussi. Ça va, ça arrive. Les renforts arrivent quand même vite. Donc ça va. La vache. Thomas Rees betrayed humanity. Ah, je pense que c'est fini. His crimes, sedition, unionizing, spreading discontent. Ah non, 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 elle est là. Je me suis dit merde. Non, mais je fais pas de dégâts en fait. Ok, ça leur fait pas de dégâts là où l'ogive hautement. Il faut vraiment leur balancer juste des attaques normales en fait. Sinon, ils s'en fichent. Les attaques spéciales des lance-roquettes, je pense que c'est juste pour les arachnides. Pas pour les tankers. Ah, les traits sont avec les insectes. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça dans Starship Trooper 2, ce que j'ai vu dans les bandes annonces, là, les humains qui sont possédés par les insectes, enfin bleu. Là, ça commence un petit peu à devenir n'importe quoi. Et je pense qu'on est bon. Victoire! Cool! Eh ben,
Ça commence à se corser un petit peu, un tout petit peu, un poil de buc. Federation scientists ask, who turned off the lights? Rolling blackouts plague the planet as bugs target Quilasha's electrical grid. Ça me dit rien, par contre, je me demande si c'était pas uniquement dans les romans. Halt, threatening to paralyze the war effort. Si j'ai un livre que je dois lire, c'est vraiment celui-là. To retake the critical power station and nip these outages in the bud. The mobile infantry will get the job done. Bon, eh ben parfait. Eh ben écoutez, on va se laisser ici et on se dit à très très vite pour la suite. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.